Thank you.
this hour of peace. We shall prevail. Henri IV, un cheval blanc, Dracula, c'est dommage à François Corbier. La Bretagne, c'est Ménil. La Joconde a son sourire. Jeanne d'Arc a des boutons. Et moi, j'ai de la barbe au menton. Sans ma barbe, quelle barbe. Nous a parlé donc de ce que c'est. Voilà, François Corbier, membre de Cuba, j'aurais dû le rencontrer à Avignon en février dernier et il n'était pas venu déjà. Donc voilà, François Corbier. Avec Dorothée, Ariane, les autres, l'enfance des trentenaires ou fin des vingtaines, de la vingtaine, hein, que pouvait être. Hein. La maison des courants d'air, la feuille à l'envers, sans son même et Dalila. Quelque part Guatemala. Non, j'espère que vous allez bien. Salut à toi, bon, si c'est mes filets, et moi j'aime la barbe au menton. J'espère que vous passez un très bon week-end. On se retrouve beaucoup de jours. Sans ma barbe, quelle barbe. Je suis comme un chien sans puce. Bonjour, c'est Milan. Avec des goodies, avec gagné, bien entendu. Il y a plus de consensus. Alors, c'est la barbe, quelle barbe. Je suis comme un chien sans puce, bon, je sais mille ans sans émotion. La barbe, quelle barbe. Il y a plus de consensus, ni de Cuba sans cacao. Pour Satan, barbe à papa, sans ironie. Ventre à terre, barracuda. Dos à doré à son île, la sardine à l'huile. Tout le monde a des misères. Il y a bien des mystères. Et le cœur a ses raisons. Moi j'ai de la barbe à mon menton. Sans ma barbe, quelle barbe. Je suis comme un chien sans puce. Bonjour, c'est Milan Sanremo. Sans ma barbe, quelle barbe. Il y a plus de puce. Alors aujourd'hui il y aura à gagner pour vous. Sans ma barbe, gagnant. Quelle barbe. Je suis comme un chien sans puce. Il y aura une dernière tortue. Leonardo, le katana.
Il y aura également. Allez, qu'est-ce que je vais vous mettre d'autre? Alors, qu'est-ce que je vais vous donner d'autre? Allez, un plaid Star Wars, pour ceux que ça intéresse, un plaid Star Wars qui sera avec cette. Cette tirelire tortue ninja et est arrivé tous ces braves gens ravis comme un seul homme ont déclaré. Et ce sera déjà pas mal, et bien sûr les deux autres finalistes qui ne vont pas remporter la partie d'aujourd'hui repartiront avec nous. Salut à toi, Super Végéto. Comment va-t-il, Super Végéto? Donc du coup on va couper la musique, hein, Corbier, etc. Voilà, c'était vraiment pour marquer le coup. Merci beaucoup pour le don. Qui m'a fait un don? Qui est le fou qui m'a fait un don? Mais je ne vois pas trop, je ne vois pas qui m'a fait un don. Et c'est Abigor qui fait un don de 2€ et qui repart donc avec un porte-clé POG, pour même 2, hein, puisque c'est 1€ pour le porte-clé POG. Donc s'il veut un porte-clé POG, et ben il me passera son adresse postale en MP et je lui enverrai bien sûr des 2 ou 1 suivant ce qu'il désire, porte-clé POG. Donc merci à toi en tout cas, Abigor, pour le don. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, les catégories sont antiquité, mythologie, cinéma, télévision, histoire et la catégorie mystère. Donc il n'y aura pas trop de jeux vidéo sauf durant la finale, hein, malheureusement, hein, la catégorie mystère se place un petit peu aléatoirement. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Donc est-ce que quelqu'un veut jouer? Est-ce que quelqu'un a envie de participer? Sachant que bah, là pour le coup il n'y aura pas beaucoup de questions sur les jeux vidéo, malheureusement. Donc on a Melvin qui dit moi je veux jouer. Donc Melvin. Alors Melvin, tu es déjà présent, hein, sur le Discord, donc je t'accorde le rôle qui va te permettre d'accéder au salon du jeu. Et Black également veut participer. Alors attends, je vais remonter. Voilà. Ouais, Black veut participer. Il sera donc en deuxième position. Donc Black, hein, pareil. Oh, des cheers maintenant. Merci Champy pour les cheers. Pour les bits, hein, je sais pas ce que tu feras des paquets de couilles qui vont avec, hein, parce que quand même là, 100 bits ça fait 200 couilles. Hein, donc qu'est-ce que tu vas faire de tous ces testicouilles? Mais merci beaucoup. Allez, un troisième participant, pourquoi pas, un troisième participant, il reste encore une place pour cette première manche. Donc je rappelle rapidement les règles. Trois candidats s'affrontent durant les trois manches, hein, voilà. Donc c'est pas obligatoirement les mêmes candidats à chaque manche, hein, on est bien d'accord. Plus Théo, toi qui reçois les 100 bits. Bah oui, 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 oui. Et salut à toi Kaplan, comment vas-tu? Donc oui, Kaplan qui a ouvert, hein, cette semaine un salon Discord JDR pour ceux que ça intéresse. Donc je l'inviterai en fin d'émission à venir en vocal avec moi pour pouvoir un petit peu discuter de ce salon JDR. Et si vous avez vous aussi, hein, viewers, des projets, des choses comme ça, n'hésitez pas à m'en parler, hein, et merci pour le follow. Donc n'hésitez pas à m'en parler pour que je puisse vous faire un petit peu de promo, hein, en vous faisant venir en direct avec moi, que vous puissiez expliquer exactement ce que vous faites et ainsi de suite. Donc voilà. Oh, un abo, c'était pas un follow. Merci de l'abonnement, Abigor, merci beaucoup. Donc Abigor, du coup, double truc, hein, puisque ton adresse postale, là, cette fois, elle est quasiment obligatoire, puisque tu vas repartir avec l'enveloppe cadeau des subs. Donc n'hésite pas à me passer ton adresse. Pour que je puisse t'envoyer tout ça. Donc dans l'enveloppe cadeau, tu auras porte-clé, question pour un viewer, tu auras un magnète, question pour un viewer, ainsi qu'un bon de réduction de 30% sur la boutique. Voilà, c'est les cadeaux, hein, pour les subs.
Voilà, ça... donc merci beaucoup hein, de t'être sub, vraiment merci beaucoup. Les porte-clés, je les donne aux viewers, ça marche, je les donne aux viewers, alors pas de soucis, pas de soucis. Alors, un troisième participant, du coup j'ai pas vu s'il y avait un troisième participant. Ah, Kaplan qui veut participer. Voilà, Kaplan veut participer. Donc nous avons nos trois participants pour cette première manche. Donc j'ai accordé les rôles à Black et Melvin. Il me reste plus qu'à trouver Kaplan et lui donner les rôles qu'il faut hein, pour qu'il puisse venir avec nous. Alors où c'est que t'es caché, hein, mon petit Kaplan? Où te caches-tu? Où te caches-tu? Ah, je... Voilà, tu es là. Parfait. Donc maintenant, Kaplan, je t'invite à venir sur Discord hein, dans la partie QPV en off, hein, bien entendu. Donc on ne parle pas, on répond sur le chat de Twitch, comme d'habitude. Voilà, pour ceux qui ne sont encore jamais venus. Un petit peu les règles, comment ça se passe? Alors, nous attendons Kaplan. Voilà, Kaplan est arrivé. Donc, Melvin, Black, Kaplan, est-ce que vous m'entendez bien? Et donc, merci Champy pour le host, hein, au passage. Voilà. Donc, oui, on t'entend bien, c'est parfait, c'est parfait. Donc, je propose qu'on commence de suite. Quelle catégorie de questions, Melvin, veux-tu choisir? Télé, enfin, cinéma et télévision. Cinéma, télévision pour Melvin, est-ce que tu es prêt? Je rappelle que celui qui a le plus de points pendant la manche va en finale et que chaque finaliste au moins repart avec une clé Steam d'une manière ou d'une autre. Donc on est parti, première question. Qui dit dans Star Wars épisode 1 la menace fantôme? Enfin, nous aurons notre revanche. Qui c'est qui dit ça? Enfin, nous aurons notre revanche. La réponse vient d'apparaître. D'ailleurs, de la part de quelqu'un qui n'aime pas, enfin, ou qui n'a quasiment jamais vu Star Wars, mais c'est quand même très, 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 très rigolo. Donc, tu as 10 secondes pour un copier-coller. Bien joué, Melvin. Premier point pour toi. Effectivement, c'était Dark Maul qui disait ça, Dark Sidious. Avant que ce dernier ne l'envoie sur Tatooine, enfin nous aurons notre revanche. C'est ce que Dark Maul dira donc à son maître. Question suivante. Dans quelle série télé peut-on suivre les aventures de Lucius Vorenus et Titus Pullo? Donc Lucius Vorenus et Titus Pullo. Et la réponse vient d'apparaître également. Melvin, copier-coller dans les 25 secondes qui te restent. Dark Demi-Mole, et oui, tout à fait, c'était Rome, la série de HBO. Rome, effectivement. Très très bonne série pour ceux qui ne l'ont jamais vue. Excellente série même, je dirais. Et on continue. À quel peuple appartient le docteur Wu? À quel peuple appartient le docteur Wu? Donc deux réponses possibles. Par contre, ce serait bien que le timer daigne vouloir se lancer. Merci, timer. À quel peuple appartient le docteur Wu? Donc, ce n'est pas la mer noire. Ce n'est pas du tout la mer noire. Ce serait trop facile. Pas tout à fait, pas tout à fait, Melvin, pas tout à fait. Ce n'est pas exactement ça. Mais je vais quand même l'accorder, hein, effectivement. À la rigueur, la réponse que moi j'attendais, c'était les seigneurs du temps. Voilà. Mais les Gallifréens marchent également. Voilà. Bah c'est vrai que j'aurais préféré quand même, hein, voilà, les seigneurs du temps. Et pour répondre à Abigor. Hein, si ça veut bien marcher, bien sûr, hein, c'est ce qui, bien sûr, avec mes trucs de merde hein, en général, voilà, hein, on commence à être habitué, hein. Voilà. Oui, non, mais je te l'accorde, ne t'inquiète pas, je t'accorde le point.
Ah, c'est pas possible que la vidéo merde encore. Enfin bref. Alors, putain, c'est quand même incroyable. Hein. Les vidéos ne passent pas. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou. Hein. Bien, question suivante. Quelle est la planète d'origine du Docteur Who? On reste dans le Docteur. Quelle est la planète d'origine du Docteur Who? Oui, la mer Noire en saccadé, oui, c'est pas mal. C'est intéressant. Et je sais pas pourquoi, c'est ça qui est très emmerdant au final. J'ai beau régler les trucs. Et bah oui, c'est effectivement Gallifrey. Voilà, très bonne réponse. Effectivement, c'était donc Gallifrey, la planète d'origine du Docteur Who. D'où le fait que j'attendais en réponse avant soit Gallifrey 1, soit les Seigneurs du Temps. Cinéma, télévision toujours, et c'est la dernière question. Y aura-t-il un sans faute pour Melvin avec la question qui suit? À quelle heure précise se déroule le film de Jean-Yann dans lequel Coluche incarne le modeste carrossier du nom de Bénur Marcel en 1982? Et ce n'est pas Predator! Predator noir. Non, ça marche pas. Le Predator noir, ça ne marche pas. Et la bonne réponse est apparue, effectivement. Film de Jean-Yann, et oui, c'est 2h moins le quart avant Jésus-Christ, mais le timer étant arrivé à zéro, malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse cette fois-ci. Pardon. 4 points pour toi, Melvin, c'est très bien joué. 4 points. Donc record à battre cette fois, 4 points. Donc cinéma, va peut-être falloir que je pense aussi à Maître Macroix, ça pourrait être intéressant hein, pour pouvoir dire hop hop hop, attention, il n'y a plus de cinéma pour cette première manche, ça peut être très intéressant. C'est à toi Black, quelle catégorie de questions veux-tu choisir? La catégorie mystère, oh il tente la catégorie mystère. Catégorie mystère, et là, ça va être, je prends vraiment au pifomètre, ça va être de la chimie. J'espère que tu es pas trop mauvais en chimie. Ça aurait été bien hein, de tomber sur la contrepétrie, mais là, c'est de la chimie. Donc c'est quand même, hein, je rentre pas trop dans les détails, c'est très basique, hein, voilà. En même temps, c'est de la chimie, hein. Le basique et la chimie, ça va bien ensemble. Première question. Si tu es prêt, Black. Première question, on est dans la catégorie mystère qui est là, cette fois-ci, la chimie. Quel élément du tableau périodique des éléments désigne-t-on par le symbole LR, grand L, petit r? Bon, j'avoue que ça, c'est une question de merde. Alors, c'est le truc que je crois que personne n'utilise. Donc ce n'est pas l'arabesque. Non, ce n'est pas l'or. L'or, c'est AU. Ce n'est pas le lithium, ce n'est pas l'argent. Il reste moins de... Allez, 3 secondes, 2 secondes. Et Melvin avait la bonne réponse, effectivement. C'était le laurentium. Tout à fait, très bonne réponse. C'était le laurentium qui est désigné dans le tableau périodique des éléments par le symbole chimique LR. Ce n'était pas le levardium, legardium, leviosa, non, du tout. On continue. Quel élément du tableau périodique des éléments désigne-t-on par le symbole grand C petit a? Ca. Celui-là est très très facile. Et oui, le calcium, très bonne réponse. C'était facile. Le calcium. Donc, hop, fin du timer. Question suivante. Quel élément du tableau périodique des éléments désigne-t-on par le symbole PU? Grand P, petit U. Tout à fait, Black, c'est le plutonium. Très bonne réponse, deuxième point pour toi. Et on continue. Quel élément du tableau périodique des éléments désigne-t-on par le symbole
grand N, petit D. Et c'est. Alors là, pareil, hein, ça c'est un truc. Je sais pas à quoi ça sert, donc pas trop m'en demander. Donc ce n'est pas le nitrate. Hein. Ni le noridium, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin, mais ce n'est pas le noridium. Tu as encore 10 secondes. La bonne réponse est apparue, copier-coller. Oui, sur le fil, néodyme. Effectivement, donc à quoi ça sert, je n'en ai strictement aucune idée. Hein, voilà. Le néodyme, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, voilà, c'est un truc qui existe. On continue. Que signifie le symbole atomique N? Tout à fait, c'est l'azote et tu as 4 points également avec la réponse azote qui est donc désignée par le symbole N. Donc 4 points aussi pour Black. Bien joué à toi. Et c'est à toi Kaplan. Quelle catégorie de questions veux-tu choisir parmi les deux qu'il te reste? Alors, ah bah je dirais antiquité mythologie, mais tu as le choix. Allez, antiquité mythologie pour Kaplan. Est-ce que tu es prêt? On est parti. Première question, quel héros de la guerre de Troie est connu pour son point faible situé au talon? Et oui, Achille, tout à fait, premier point pour toi. Donc t'imagines bien que si le point faible était aux couilles, le mec s'appellerait Testicules. On est bien d'accord. Et là, effectivement, c'était Achille. Hein. Voilà, Achille, à ne pas confondre avec le Achille Talon, mais oui, mais ça vient de là, de toute façon. Deuxième question, que signifie l'expression latine vae victis, que prononce Brennus lors du sac de Rome? Donc on est avant Jésus-Christ. Hein, 300, je sais plus combien, ou 270, je sais plus quoi. J'ai plus la date exacte en tête. Donc en gros, ils sont venus, hein, ils ont violé, ils ont tué, machin. La bonne réponse est apparue. Tu as 12 secondes, 10 secondes encore pour faire un copier-coller, Kaplan. Bon, c'est plein de fautes, hein, la réponse qui est apparue, mais bon. Et t'as pas fait de copier-coller, malheureusement. Alors, effectivement, hein, donc voilà, ils font le sac de Rome. Hein, les Gaulois hein, font le sac de Rome. Hein, on est avant Jésus-Christ. Et donc, ils réclament une rançon. Enfin, ils réclament du fric, quoi. Hein, en même temps, les Gaulois sont assez vénales. Hein, voilà, hein, on n'y peut rien. Hein, c'est le Romain qui parle, là, hein, bien entendu. Hein. Et à un moment donné, Brennus, il se rend compte que les Romains avaient, disons qu'un poids qui où il y avait marqué 1 kg, par exemple, bah, en fait, ne pesait que 800 grammes. Hein, voilà. Donc, vu qu'il se rend compte un petit peu de la supercherie, sur la balance sur laquelle on mettait l'argent pour faire une équivalence avec les poids qui étaient mis, Brennus sort son épée et la jette sur les poids, hein, les poids du côté romain, voilà. Et il déclare vae victis, malheur au vaincu. Très bonne réponse, Champy, effectivement, c'est malheur au vaincu. Pas de point pour toi, là, Kaplan. Malheureusement, tu n'as pas fait le copier-coller assez rapidement. Question suivante. Quelle femme, fille de Germanicus et épouse de l'empereur Claude, fut assassinée sur l'ordre de son fils Néron le 23 mars 59 après Jésus-Christ? Grande dame de Rome. Et ce n'est pas Jean. Alors, c'est Jeanne d'Arc ou Jean de Flèche, mais c'est ni l'un ni l'autre pour le coup. Ce n'est pas Marie-Antoinette non plus. Nous sommes en 59 après Jésus-Christ. Alors, je pourrais accepter effectivement cette réponse de Champy. Mais il en manque un peu. Il en manque un petit peu.
Mais j'ai accepté s'il y a le copier-coller dans les 5 secondes qui suivent. 4, 3, 2, et oui, effectivement, sur le fil. Deuxième point pour toi, Kaplan. Effectivement, c'est Agrippine la Jeune. Agrippine la Jeune. Donc, si vous voulez en découvrir d'ailleurs plus sur Agrippine la Jeune, qui est quand même quelque part à la base, hein, plus ou moins, du féminisme moderne. Hein, je parle pas des nazis féministes, hein, je parle vraiment de l'émancipation des femmes. Lisez le livre de Virginie Giraud qui est très très intéressant pour en apprendre plus sur Agrippine. Oui, effectivement, l'empoisonneuse, mais c'était pas la seule. Hein, cela dit, Livia, la femme de Claude, n'était pas mal non plus dans le truc. De Claude, d'Auguste, pardon. Qui était le père d'Alexandre le Grand? Qui était le père d'Alexandre le Grand? C'était pas Alexandre le Petit. Salut à toi, Naliana. Comment vas-tu? Et merci pour le follow. Merci beaucoup, Naliana. Je suis ton père. Non, ce n'était pas la bonne réponse. Ce n'était pas la bonne réponse. Tu as encore 15 secondes, Kaplan, pour me donner le nom du papa d'Alexandre le Grand. Ce n'est pas Passepartout non plus. Ni Tristan, ni la boule, ni le père Fouras. Mais ça pourrait. Au moins pour le père Fouras, parce qu'on ne sait pas son âge à ce vieux débris-là. Pas de bonne réponse, malheureusement. C'était Philippe II de Macédoine. Philippe II de Macédoine, dont on avait retrouvé d'ailleurs le crâne, hein, avec un œil transpercé par une flèche. Les reconstitutions faciales ont permis effectivement de prouver que c'était le père d'Alexandre le Grand. Puisqu'on savait que le père d'Alexandre le Grand avait été donc tué au combat par une flèche, voilà, qui avait percé l'œil. Enfin bref, je rentre pas dans les détails, c'est dégueulasse. Dernière question pour toi, Kaplan, quel événement marque la fin de la période que l'on nomme l'Antiquité? Eh oui, la Macédoine, bah oui. De légumes, hein, bien sûr. Non, ce n'est pas l'écriture, ce n'est pas l'écriture du tout. Il y a un événement majeur, hein, dans le monde, enfin au moins dans le monde connu de l'époque, qui marque la fin de la période qu'on nomme l'Antiquité. On est avant, hein, l'histoire d'imprimerie de Gutenberg, etc. La réponse n'étant pas apparue, c'est simplement la chute de Rome. C'est la chute de l'Empire romain d'Occident qui marque la fin de l'Antiquité. Et bien que, effectivement, l'Empire romain d'Orient avec Byzance, hein, Constantinople, ait perduré jusqu'en 1453, il n'empêche que on n'est plus dans l'Antiquité, on est vraiment cette fois dans l'histoire à proprement parler. Eh bien, 2 points pour toi, Kaplan. Donc, question subsidiaire pour Melvin et Black, pour savoir qui des deux vont aller en finale. Donc, je vais prendre une question au pifomètre. Question au pifomètre. Et on reste dans l'Antiquité mythologie. Melvin, Black, est-ce que vous êtes prêts? C'est ça, ouais, Naléana, c'est la chute du Rhum, effectivement. La chute du Rhum. Parce que tous les chemins mènent au Rhum, de toute manière, surtout quand il est avec du coco, hein, c'est très bon, ça passe très bien. De quel pharaon? Donc déjà, avec ce début de question, vous savez qu'on est en Égypte. De quel pharaon Néfertari fut-elle l'épouse? De quel pharaon Néfertari fut-elle l'épouse? Il y a un petit indice. Il y a un temple qui est dédié à elle, à Abou Simbel. Toutou Smith? Non, c'est pas Toutou Smith. Ce n'est pas Ptolémée. Ce n'est pas. Bah, Néfertiti, en fait, c'est la femme de Akhenaton. Donc ça n'a rien à voir. C'est une autre nana. Ce n'est pas Toutankhamon. Ce n'est pas le Toutoukistan, ce n'est pas le Boukistan, ce n'est pas Toutmosis. On est effectivement. Et Naliana a effectivement la bonne réponse. Et c'est donc Black qui fait le bon copier-coller. C'est Black qui sera donc le premier finaliste. Black, premier finaliste de ce QPV d'aujourd'hui.
Eh bien, je propose qu'on remette les scores à zéro, hein, tout simplement. On va remettre les scores à zéro. Voilà, hop. Melvin, est-ce que tu veux toujours tenter ta chance pour cette seconde manche? Allez, donc Melvin est chaud. Kaplan, même question. Est-ce que tu veux toujours tenter ta chance? Ah, l'Égypte, c'est super bien l'Égypte. Donc Kaplan est donc passe en seconde position. Et il manque un troisième candidat pour cette seconde manche. Est-ce que quelqu'un veut ou pas participer? Kaplan is back. Et donc Super Végéto a laissé de nouveau sa place à Dark Pew Pew TV. Hein, voilà. Naléana peut-être. Oui, effectivement, hein, Naléana n'a jamais joué, elle pourrait effectivement tenter sa chance. Quoique Abigor est pas mal non plus. Abigor a donné des très bonnes réponses également. Pas du tout, pas du tout, Kaplan. Dis-toi bien que mes questions sont quand même parfois très chiantes. Et là, ce sont des questions pas encore trop difficiles à mon sens. Donc t'imagines bien que, en final, bon voilà. Alors. Ah bah ça, je veux voir, Naliana, je veux voir. Alors. Ah oui, c'est. Bah oui, non, mais c'est pas grave, Abigor, puisque de toute façon, le Discord n'est pas fait pour être en vocal, il est fait pour pouvoir entendre les questions en même temps que tout le monde. Enfin, qu'il n'y ait pas de décalage par rapport au timer. Donc ça ne change strictement rien. Donc, Abigor, tu peux venir. Il n'y a pas de problème. Plus sérieusement. Ah non, non, s'il te plaît, non. Et GG pour les levels en tout cas. Ah putain. Ah, Igor, il drague tout ce qui bouge. Et eh bah ben, comme Victoria, c'est secret, voilà. Tout simplement. Alors. Ah, mais c'est vrai que Costa est là. Peut-être qu'il voudra participer, Costa. Allez, déjà, quelqu'un pour cette deuxième manche. Un troisième candidat pour cette deuxième manche. Yolo Patalo. Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup. Il y a une petite allitération en haut, c'est très joli. Allez, go pour Costa. Allez, Costa sera donc le troisième participant de cette seconde manche. Donc je te mets les rôles qu'il te faut. Et voilà, nous t'attendons donc sur le Discord et le salon correspondant. Pour cette seconde manche. Et bienvenue à toi. Est-ce que tu m'entends bien? Patato petit pot. Black Champissime aussi. Oh là là. Donc si tu m'entends bien, je propose qu'on commence. Melvin, c'est donc encore à toi d'ouvrir le bal. Quelle catégorie de questions veux-tu choisir? Ciné-télé toujours pour Melvin. Cinéma, télévision. On est parti si tu es prêt, bien entendu. Ah bah décidément avec le Star Wars là. Oula, tu vas être servi. Les bébés potatoes. Non, je ne connais pas les bébés potatoes. Je ne connais pas les bébés potatoes. Je connais les bébés potatoes fermentés et ça donne du bébé vodka. Mais après, voilà. Donc on y va, question cinéma, télévision. Dans Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, quel maître Jedi dit ne pas avoir confiance en Anakin Skywalker? Avec mon magnifique accent. Dégueulasse.
Et la réponse est apparue effectivement. Et alors ce n'est pas Obi-Wan Kenobi, hein, bien entendu. Tu as 15 secondes pour... Voilà, Mace Windu. Très bonne réponse. Mace Windu, hein, interprété par Samuel L. Jackson. Très grand acteur. Et on continue dans Star Wars épisode 3, la revanche des Sith, sur quel vaisseau Bail Organa embarque-t-il pour retrouver Maître Yoda? Donc c'est un vaisseau qu'on revoit au tout début, vraiment au tout début de l'épisode 4, hein, et qu'on voit également dans Rogue One, puisque c'est à bord de ce vaisseau que sont détenus les plans de l'étoile noire. Donc ce n'est pas le Faucon Millenium. Ah, quelqu'un nous a quittés. Donc nous avons eu Corbier tout à l'heure, maintenant c'est Black. Non, ça c'est dégueulasse, c'est blague de merde, pardon. Non, je ne vois pas la bonne réponse malheureusement, c'était le Tantive 4. Tantive 4 qui est donc le vaisseau à bord duquel se trouve la princesse Leia. Au tout début de... Non, non. Au tout début de l'épisode 4, donc Un Nouvel Espoir, donc le tout premier film sorti en 77, et qui se fait par la suite donc arraisonner par un Superstar Destroyer de l'Empire. On continue dans Astérix Mission Cléopâtre. En combien de temps Numéro bis doit-il construire le palais de César? Et la bonne réponse est effectivement apparue, Melvin. Et oui, c'est 3 mois, tout à fait. Il a 3 mois pour construire le palais de César. 3 mois d'ailleurs, top chronos, hein, comme ils disent. Quelle est, en question suivante, quel est le nom de la fille de Marlène Jobert, interprétant une James Bond girl dans Casino Royale en 2006? D'ailleurs, une actrice qui passe la plupart de son temps à être à poil dans ses films. Et oui, c'est effectivement Eva Green, tout à fait. C'est le côté à poil, toujours à poil dans ses films, qui t'a mis sur la piste ou comment ça se passe? Dernière question pour toi, Melvin, peut-être 4 points. On va voir. De tous les membres du Conseil Jedi. Lors des événements de la seconde trilogie, donc les épisodes 1, 2 et 3. Quel est le plus vieux d'entre eux? Quel est le plus vieux Jedi? Et d'ailleurs, qui restera plus tard le plus vieux Jedi? Puisque de toute manière, il n'y avait que lui qui a pu atteindre 900 ans. Hein. Donc voilà. Et oui, c'est apparu que copier-coller, tout à fait, quatrième point. Pour toi, Melvin, très bien joué à toi. Donc 4 points. On remet la barre à 0. Et c'est donc à Kaplan maintenant de choisir la catégorie dans laquelle il souhaite être interrogé. C'est à toi, Kaplan. Histoire. Un petit peu d'histoire. Voyons ce qu'il va se passer dans l'histoire. Est-ce que tu es prêt? À répondre à mes 5 questions. On y va. En quelle année Champollion, bon alors en quelle année on va dire à 5 ans près. En quelle année Champollion déchiffra-t-il les hiéroglyphes égyptiens? Alors ce n'est pas en 270. Champollion, c'est le 19e siècle. Jean-François Champollion. Alors, non, 19e siècle, hein, j'ai dit, donc pas 1100. Ça, c'est le 12e. Alors, ce n'est pas en 1878. Ce n'est pas en 1700. Et je ne vois pas la bonne réponse. Il n'y a aucune bonne réponse. Le timer est à zéro. Alors, en fait, Jean-François Champollion, pour commencer, n'a jamais eu la pierre de Rosette entre les mains. Hein, c'est une copie sur papier qu'a bien voulu lui faire le British Museum, puisqu'à l'époque de la découverte de cette pierre de Rosette, c'était donc faite par l'armée française, hein,
Les Anglais ayant attaqué, hein, les Français bah, se sont barrés hein, comme une bande de voleurs, hein, tout simplement. Et ont tout laissé sur place. Et c'est donc les Anglais qui ont rapporté la pierre de Rosette au British Museum. Par la suite, ils ont fait plusieurs copies papier, voilà, avec donc tous les trois textes hein, qui sont les mêmes, mais écrits en langues différentes. Hein. On a donc de l'Égyptien ancien, donc du hiéroglyphe. On a du grec et du copte. Et c'est donc grâce à ça que Jean-François Champollion, entre 1822 et 1830, parvint à déchiffrer Ramsès, les trois hiéroglyphes qui revenaient plus souvent, puisque on parlait de Ramsès dans la partie copte et grec. Donc il a recherché tout simplement trois symboles, enfin des symboles qui pouvaient revenir à des intervalles réguliers, hein, qui correspondaient au texte d'en dessous. Et c'est comme ça qu'il a trouvé Ramsès, ce qui donnait donc Ramsès. Donc pas de point pour toi, Kaplan, sur cette première question. Quel sommet fut gravi en 1950 par les alpinistes français pour la première fois ? On est en 1950 des alpinistes français et ce n'est pas le Mont Blanc. Ce n'est pas l'Everest non plus. Non, l'Everest, non, pas encore. Pas tout à fait. Mais c'est pas loin, cela dit. On est effectivement dans des hautes montagnes, très hautes montagnes comparées au Mont Blanc. Ce n'est pas le pic du Midi, non, non, non. Non, non. Pas de bonne réponse, c'est la fin du timer. C'était l'Annapurna. L'Annapurna qui fut donc gravi par des alpinistes français pour la première fois en 1950. Troisième question, toujours pas de points pour toi, Kaplan. À quelle date l'Empire romain d'Orient tombe-t-il aux mains des Turcs? Et j'ai donné la réponse tout à l'heure. En quelle année l'Empire romain d'Orient tombe-t-il aux mains des Turcs? Et donc l'Empire romain d'Orient s'écroule à son tour. 1000 ans hein, presque après. Salut à toi Tony Hawks. 1000 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident. Donc ce n'est pas en 1840. Hein. C'est bien plus tôt que ça. Alors non, l'Empire romain d'Occident, effectivement, c'est 476. Ça, c'est l'Occident. Moi, je cherche l'Empire romain d'Orient et le timer est arrivé à 0. Et j'ai donné la réponse tout à l'heure. J'ai donné la réponse tout à l'heure en disant 1453. C'est en 1453 que l'Empire romain d'Orient tombe à son tour. Donc, on peut dire que l'Empire romain, dans sa globalité, aura duré de moins 753 à plus 1453. 53, c'est-à-dire plus de 2000 ans de règne sous l'Empire romain, enfin sous l'égide de Rome, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on y pense. On continue. Quel empereur romain, toujours, fit édifier Sainte-Sophie à Constantinople? Donc la fameuse cathédrale Sainte-Sophie qui fut tour à tour église, mosquée, synagogue, puis de nouveau mosquée, puis ensuite église, et ensuite mosquée à nouveau. Aujourd'hui c'est une mosquée, on sait pas trop ce que ça donnera dans 30 ans. Mais... Oui, on a perdu Miss Égypte. Aléana, si tu es encore là. Et ce n'est pas Eddy Malou qui a fait construire Sainte-Sophie. Ça serait tellement bon si ça avait été lui. Malheureusement, c'est pas Eddy Malou. Pas de bonne réponse non plus pour toi sur cette question-là, Kaplan. Malheureusement, tu es tombé sur des questions très très chiantes apparemment. Et c'était donc l'empereur Justinien. Hein, l'empereur Justinien qui a fait construire Sainte-Sophie. Allez, peut-être une question plus facile. Quel est le nom du dernier empereur romain d'Occident? Le nom du tout dernier empereur romain d'Occident, c'est pour ça que je l'inclus d'ailleurs dans la catégorie histoire, parce que du coup on est dans l'histoire. Et ce n'est pas Auguste. Auguste est le premier empereur de 23 à 17, moins 23 d'ailleurs à 17 après Jésus-Christ. Non, mais par contre, oui, on n'est pas loin, effectivement, le nom ressemble. Alors, petit moyen mémotechnique pour t'en rappeler, Kaplan.
Pense au fondateur de Rome et assemble le premier empereur. Avec le fondateur de Rome. Donc ce n'est pas Adrien, ce n'est pas Brutus, ce n'est pas Augustin. Augustin Bridoux, bien sûr, mais non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui du tout. Ce n'est pas Hitler, mais ça pourrait, mais ça manquait de moustache. Et malheureusement, pas de bonne réponse non plus. Dommage, dommage, Kaplan. Peut-être que la troisième manche sera meilleure pour toi. Parce que là, les questions sont quand même pas forcément très faciles. Le nom du dernier empereur romain d'Occident. J'ai dit comme indice, pense au fondateur de Rome, qui est Romulus. Pense aussi au premier empereur de Rome, qui est Auguste. Donc tu m'avais dit Auguste tout à l'heure. C'est pour ça que je ne peux pas l'accorder. Mais c'est également pour ça que je t'ai dit que t'étais pas loin. Le nom du dernier empereur romain, voilà, d'Occident, c'est Romulus Augustulus. Voilà, Romulus Augustulus. Alors il était âgé de 8 ou 10 ans, je crois, donc c'était, voilà, il servait pas à grand chose, le gamin, on est bien d'accord. Il était là juste pour le fun. Donc bah 0 point pour toi, je crois que tu es le premier à faire 0 point. Bah il faut un début, c'est bien, c'est bien. C'est pas grave, après on est là pour s'amuser, après le reste on s'en fout. Et c'est à toi Costa, quelle catégorie de questions veux-tu choisir? Tu as encore antiquité, mythologie ou la catégorie mystère? Et il choisit la catégorie mystère en espérant qu'il va tomber sur contrepétri, c'est ça, Catégorie, eh ben c'est contrepétri, tu as du bol effectivement, c'est contrepétri. Donc là c'est un vrai ou faux, il n'y a pas de timer. Et une seule réponse possible. Contrepétri ou pas contrepétri, je te verrai bien en curé avec une calotte. Vrai ou faux? C'est ça la chance d'un homme, mais complètement. Et oui, effectivement, effectivement, c'est une contrepétri. Puisque... Alors, je te mets le point. Voilà. Puisque... Avec la phrase « Je te verrai bien enculé avec une calotte », on peut obtenir, voilà, « Je te verrai bien enculé avec une carotte ». Effectivement, c'est une contrepétrie. Bravo à toi, Costa. Et là, je sens le mec qui est content, là. Vrai ou faux? La philosophie de l'ouvrier charpentier. Vrai ou faux? La philosophie de l'ouvrier part en chier. Je viens de donner un gros indice. Et oui, oui, effectivement. Effectivement. Et oui, puisqu'on peut dire la tripe en folie de l'ouvrier part en chier. Effectivement. La tripe en folie de l'ouvrier part en chier. Donc, effectivement, c'est une contrepétrie. Contrepétri ou pas contrepétri, cette jolie fille habite Laval. Celle-là, elle est donnée quasiment. Et oui, effectivement, ça c'est donné. Puisque on peut dire cette jolie fille avale la bite. Et ça marche également. Et on continue. Contrepétri ou pas contrepétri, cet homme habite Paris. Je suis choqué. Très bonne réponse. Effectivement, cet homme habite Paris. N'est pas une contrepétrie. Bye bye à toi, Anthony Hawks. Bonne fin de week-end, bonne fin de journée, des bisous. Dernière question pour Costa. Le chien mange sa gamelle. Contrepétri ou pas contrepétri? Alors... Et non! Ce n'est pas une contrepétri malheureusement.
Non, non, on ne peut rien dire avec ça, hein, non, ce n'est pas une contrepétrie. Si seulement, je dirais, hein, si seulement. Question subsidiaire, puisque Melvin et Costa ont 4 points. Alors, question subsidiaire, je vais piocher à nouveau une question un petit peu au pifomètre, et ce sera une catégorie histoire. Catégorie histoire, Melvin Costa, le premier des deux qui me donnera la réponse, ira en finale. Quel peuple barbare venu de Germanie s'installe dans le nord de la Gaule? Quel peuple barbare venu de Germanie s'installe au nord de la Gaule? Dans le nord de la Gaule. Et ce n'est pas Vercingétorix, ce ne sont pas les Romains ni les Visigoths. Donc on est à la chute de Rome, hein, au moment, un peu après la chute de Rome d'ailleurs. Donc quel peuple barbare venu de Germanie s'installe dans le nord de la Gaule. Donc il y a les Burgondes qui sont venus s'installer dans, on va dire, dans le centre et sud est. D'ailleurs, c'est ce qui a donné la Bourgogne. Et c'est de Melvin qui marque le point, puisque effectivement, ce sont les Francs. Les Francs qui ont donné d'ailleurs plus tard le royaume de France avec Clovis, machin, gna 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 gna, enfin voilà quoi. Hein, on connaît un petit peu l'histoire, hein, plus ou moins. On remet tout à zéro de partout, je décoche mes petites cases. Du coup, Kaplan, Costa, est-ce que vous voulez retenter votre chance? Kaplan retente, donc cette fois-ci c'est lui qui répond premier, c'est lui qui est en tête, hein, qui pourra avoir le choix avec toutes les questions. Costa également. Et il manque toujours un troisième participant. Est-ce que quelqu'un veut jouer Naliana? Pourquoi pas? Je te verrais bien jouer Naliana. Tu peux tomber sur des trucs égyptiens, on ne sait jamais. Bon, je ne choisis pas mes questions, hein, elles sont présélectionnées depuis un sacré moment. Ok, Piu-Piu, pas de soucis. Bonne journée à toi, des bisous. Alors. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut participer ou pas? Ah, tu re après, d'accord. Parfait. Ah, oh, dommage, Daliana, dommage. Ah, oui, c'est vrai. Oui. Ah, ça y est, t'as décidé de le donner à Naliana, c'est ça? Ah, bah, dis donc. Champi, peut-être? Non, Champi, ça te tente pas? Petite partie, là, une petite manche, vite fait. Ah, je savais que Champy allait vouloir venir. Je savais. Il est chaud, Champy, là. Donc, pareil, hein, je t'accorde les rôles. Voilà, hop. En même temps, t'es abonné, donc tu auras plus de... Voilà. Alors, du coup, oui, il faut que je donne aussi... Abigor, je sais plus si t'es sur mon Discord ou pas, je m'en rappelle plus. Parce que pendant que j'y suis, hein, je vais bien sûr t'accorder le truc de, enfin le rôle d'abonné, hein, comme ça ce sera fait. Oui, c'est vrai que tu es partout. Par contre, je suis en train de chercher ton pseudo, je m'en rappelle plus. Alors, tel un dieu qui vous survole tous de sa magnificence. Eh oui, oui, tout à fait, tout à fait. Par contre, est-ce que tu pourrais me redonner le... Ah, voilà, t'es là, voilà, très bien, c'est bon. C'est bon, je t'ai trouvé. Parfait, donc nous avons nos trois participants. Champy, est-ce que tu m'entends bien, puisque Champy est arrivé sur le Discord? On va
commencer. Si Champy m'entend bien, 5 sur 5, c'est très bien. Kaplan, c'est donc toi qui ouvre les hostilités avec la première catégorie de questions pour cette troisième manche. Laquelle veux-tu choisir? Allez, on commence, je suis chaud là. Ah, Kaplan essaye la catégorie mystère. Ah, on va voir sur quoi ça va tomber cette fois-ci. Quelle sera cette catégorie? Ah bah c'est géographie. Géographie, Kaplan. Bah oui, malheureusement, on peut pas tomber sur contre-pétri à chaque fois. Hein. Malheureusement. Donc catégorie géographie, donc question à choix multiple, donc il n'y aura pas de timer et encore une fois une seule réponse possible. On commence, quelle est la capitale de la Macédoine? A. Sofia, B. Skopje, C. Belgrade. Sofia, Skopje, Belgrade. Donc Kaplan, tu as le choix entre Sofia, Skopje ou Belgrade, capitale de la Macédoine. Donc t'as pas de timer, tu prends le temps de répondre. Et c'est effectivement Skopje. Enfin, je sais pas comment on se prononce ce truc, hein, un nom de merde comme ça, je sais pas comment c'est possible. Mais oui, c'est la bonne réponse, c'est Skopje. Voilà. Ou Skopje, peut-être, hein, peut-être effectivement Skopje, oui, c'est possible. Je sais pas comment on prononce. On continue. Quelle est la capitale de l'Estonie? Tallinn, Pallinn ou Saline? Tallinn, Pallinn ou Saline? Oui, 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 oui. Peut-être, peut-être, oui, peut-être. Tallinn, Pallinn, Saline. Sarah Palin, hein, je rappelle qu'il y avait une Staline aussi. Hein, voilà, il y avait Sarah Palin, il y avait eu. Et oui, Kaplan, effectivement, c'est Tallinn. Très bonne réponse. Donc je suppute que tu dois tricher un petit peu, hein, parce que... Non, non, je déconne. Quelle est la capitale du Ghana? Hein, bonne chance, hein. Quelle est la capitale du Ghana? Luanda, Porto Novo ou Accra? Capitale du Ghana, Luanda, Porto Novo ou Accra? Alors... Oui, effectivement, c'est Accra. Très bonne réponse. Très très bonne réponse. Alors autant tu galérais sur Romulus Augustulus, autant là, franchement, tu m'embouches un coin. Quelle est la capitale de l'Uruguay? Oui, la crâne morue, oui. Quelle est la capitale de l'Uruguay? Oh putain, des noms de merde. Tegucigalpa, Montevideo ou Asuncion? Tegucigalpa, Montevideo ou Asuncion? Et oui, c'est Montevideo, effectivement. Quatrième point pour toi, Costa. Il se venge de sa, de son zéro point de tout à l'heure, là. Hein. Et on continue avec cette dernière question. Quelle est la capitale de la Tanzanie? Dodoma, Tanga ou Dar es Salaam? Tanzanie, c'est Dodoma, Tanga ou Dar es Salaam? Alors, ce n'est pas Pasta. Oui, très bonne réponse. Kaplan fait un sans faute. Sans faute de Kaplan. Effectivement, c'est Dodoma. Dodoma qui est donc la capitale de la Tanzanie. Putain, comment t'as fait pour trouver des trucs comme ça, toi? Comme quoi, hein, la catégorie mystère t'aura quand même bien servi, hein, mine de rien. Et oui, t'as ton petit secret. Ouais, le Tanga, ouais. Après, bah, t'es pas tombé malheureusement sur la capitale du Boukistan. Hein. Ça, voilà, on tombe pas dessus à chaque fois. Costa, c'est à toi. Quelle catégorie de questions souhaites-tu choisir? Antiquité, mythologie, cinéma, télévision ou histoire? Ciné, télé pour Costa. Oh, je sens que Costa, d'ailleurs, attend avec impatience de pouvoir sortir son P4X 639.
Mais honnêtement, ce sera pas là. Hein, voilà, ce sera pas là du tout. Non, non, là tu as du Dragon Ball et puis bah t'as du Star Wars quand même, hein, mais voilà, c'est et puis d'autres trucs. Hein, voilà. Mais ce n'est pas Bécatrix 639. Donc si tu es prêt, on y va. Dans Star Wars épisode 6, le retour du Jedi qui dit c'est le moment de payer ton manque total de lucidité. Dans l'épisode 6, Art Laker à vif. Et non, ce n'est pas Luke, mais par contre, oui, hein, la phrase s'adresse à Luke, effectivement. C'est le moment de payer ton manque total de lucidité. Mais non, ce n'est pas Darky. Ce n'est pas bah, R2-D2, non, il parle pas, il bip plus. Mais ce n'est pas Han Solo. 10 secondes. Ce n'est pas Leia, ce n'est pas Obi-Wan. 3 secondes, 2 secondes. Pas de bonne réponse. Windu dans l'épisode 6 est mort depuis belle lurette. C'était l'empereur Palpatine. Et salut à toi, Walmart Kids, comment vas-tu? Et on continue dans Star Wars, toujours épisode 6, toujours le retour du Jedi. Encore, qui dit: il suffit que je m'absente un moment pour qu'ils aient tous la folie des grandeurs. Et la bonne réponse vient d'apparaître. Et oui, c'est Yann Solo. Premier point pour toi, Costa. Yann Solo qui dit ça au moment où il sort, bien sûr, de la carbonite. Enfin, un petit peu après, hein, en gros. Hein. À un moment donné, on lui annonce que Luke est devenu maître Jedi, enfin, chevalier Jedi. Il suffit que je m'absente un moment pour qu'ils aient tous la folie des grandeurs. Gna, 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 jamais content. Dans la série télé Babylone 5. Quel est le nom de l'espèce extraterrestre cachant continuellement son apparence sous une carapace? Dans la série télé Babylon 5, quel est le nom de l'espèce extraterrestre qui cache continuellement son apparence sous une épaisse carapace? Et ce n'est pas Richard Franklin, ni Stephen, Richard étant le père à Stephen Franklin, mais ce n'est pas Franklin. Ce ne sont pas les tortues ninja, mais ça pourrait, cela dit. Ce n'est pas des Congolais non plus. Les Congolais. Ce ne sont pas les petits gris. Non, là, il n'y a pas de point. Babylone 5, espèce extraterrestre qui remonte en fait à plusieurs millions d'années, se nomme les Vorlons. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu cette série Babylone 5, je vous invite réellement à la regarder. Vraiment, hein, c'est l'une des meilleures séries SF qui ait pu être faite avec Star Trek. Et encore, Star Trek c'est déjà du grand public, alors que Babylon 5 s'adresse vraiment à un public averti, mature, ouais, avec un côté what the fuck aussi, sinon ça serait pas drôle. Mais voilà, il y a vraiment une philosophie derrière qui est très intéressante. Cinéma de télévision, quel est le nom du premier Padawan de Qui-Gon Jinn? Quel est le nom du tout premier Padawan de Qui-Gon Jinn? Et ce n'est pas Obi-Wan Kenobi. Non, ce n'est pas Yoda. Ce n'est pas Windu. Ce n'est pas Luke. Donc c'est un personnage qu'on ne voit pas réellement, enfin physiquement dans les films ou les séries sur Star Wars. C'est un personnage qu'on voit par contre dans les comics, mais dont on parle dans les séries. Donc ce n'est pas Emile Louis, mais ça pourrait. Non, non, ce n'est pas Emile Louis. Donc ce n'est pas Anakin non plus. C'était Xanatos. On en parle à un moment donné dans la série Clone Wars de Xanatos. C'est Obi-Wan justement qui en parle à Anakin. Voilà. Donc, ça rentre bien dans le cadre de la série télé. Dernière question pour toi, c'est du Dragon Ball. Devrait être assez simple, je pense. Tu as un point pour le moment, Costa. Dans la saga Dragon Ball Z, de quel film sont inspirés les noms de Boo, de Babidi et de son père? Donc, c'est effectivement un Disney. Assez d'accord.
Abigail. Oui, de quel film sont... C'est un film d'animation de Walt Disney. Alors, c'est pas Mary Poppins. Fais un copier-coller de ce qui a été dit au-dessus, tu as 5 secondes. Et ce n'est pas le magicien d'Oz non plus. Effectivement, malheureusement, c'était Cendrillon. Le timer est arrivé à zéro. C'était donc Cendrillon, puisque dans Cendrillon, ils disent Bibidi Babidi Bou. Voilà. Bibidi Babidi Bou. Voilà. Très bien. Je vais pas m'écorcher la mâchoire plus longtemps que ça. Hein. Je préfère encore les noms aztèques. Donc oui, ça a donné les noms hein, qui sont donc dans Dragon Ball Z. Donc tu as un point, Costa. C'est pas mal, hein. C'est mieux que Kaplan tout à l'heure, hein, quand même. Hein, Le gars qui remet un petit coup vite fait là au passage, c'est mieux que Kaplan tout à l'heure. Et du coup, c'est à toi, Champi. Quelle catégorie de questions veux-tu choisir? Ouais, c'est bourré de références, ouais. Champi. Quelle catégorie de questions? Antiquité, mythologie. Ah, c'est bien, j'aime beaucoup cette catégorie de questions. C'est certainement ma préférée. Antiquité, mythologie pour Champi. Quelle voie romaine? Commencer par Appius Claudius, aller de Rome à Brindisi. Facile aussi, pour ceux qui connaissent à peu près. Et ce n'est pas la Via Romana, mais quelle voie romaine? Commencer par Appius Claudius, aller de Rome à Brindisi. Si je donne le nom du mec qui a commencé la route, hein, c'est qu'il doit y avoir un truc qui est en rapport avec, hein, sinon il n'y a aucun intérêt. Quelle voie romaine? Commencer par Appius Claudius. Aller de Rome à Brindisi, ce n'est pas la Via Claudia. Et malheureusement, le timer est à zéro. Et c'est Costa qui donne la bonne réponse avec la Via Appia. Effectivement, c'est la Via Appia. Question qui pourrait être pour Naleana, pour le coup. Question suivante. Comment désigne-t-on chacun des signes du système d'écriture idéographique des anciens Égyptiens? Et salut, Maskai, comment vas-tu? Et oui, très bonne réponse, Champi. Premier point pour toi. Effectivement, ce sont les hiéroglyphes, hein, qui s'adaptent aussi d'ailleurs pour pour ce qui est Maya, Aztèque et autres. Hein, voilà. Question suivante. De combien? Alors là, attention, hein, c'est question spam. De combien de coups de poignard reçoit Jules César lors de son assassinat le 15 mars? 44 avant notre ère. Ah, 6 heures et des brouettes. Alors, ce n'est pas 20, ni 13, ni 7, ni 47, ni 5, ni 9, ni 6, ni 8, ni 36, ni 12, ni 10, ni 14, ni 3, ni 30, ni 33, ni 52, ni 15, ni moins 4, ni 16, ni 100, ni 17. Et ce n'est... Ah, on n'est pas loin avec le 20 là. Ce n'est pas 72, ce n'est pas 3. 20, Sky est vraiment très proche. Donc, Champi joue avec ça. Je vois que ce que je viens de dire, Sky est vraiment pas très loin. Et oui, Champi a la bonne réponse, c'est 23 coups de couteau. Alors, ce qui est drôle, enfin drôle, hein, façon de parler, hein, mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'autopsie, hein, donc a été effectuée par un médecin grec, hein, puisqu'à la façon, à l'époque, hein, la trois quarts des médecins étaient grecs. Hein, voilà. Seul le premier coup de poignard a été mortel. Tous les autres, c'était du superflu. Blessure superficielle, n'engendrant aucun engagement vital. Seul le tout premier a été mortel. Quand même, c'est con, hein. Poignarder 23 fois un mec et puis réussir son coup qu'une seule fois, c'est quand même très débile. C'est ça, voilà, c'est un payé, 22 offerts. Ouais. C'était les soldes, sans doute. Hein, en même temps, c'était le début de l'année. Chez les Romains, le mois de mars, c'était le début de l'année, donc forcément, c'était les soldes. Allez, on continue, on reste avec le Jules César. Hein. Quels furent les mots? Donc, je les veux en latin. Hein. Quels furent les mots de Jules César en voyant que Brutus faisait partie des conjurés? «
Bon, il y a des fautes de lettres, mais oui, hein, c'est ça, c'est tout Kokue mi fili. Effectivement, troisième point pour toi, Champi. Tout Kokue mi fili, toi aussi, mon fils. Mais, à savoir, il les a dit quand même en grec. Hein. Mais moi, je les ai en latin. Voilà. J'ai pas... Et d'ailleurs, ça m'intéresse plus. Je sais plus comment on dit en grec. Dernière question pour toi, Champi. Alors la réponse est un personnage que moi j'aime beaucoup. Personnage historique que j'aime beaucoup. Je sais pas si ça va t'aider. Non, c'est pas Gandalf. Quel général romain, vainqueur d'Attila lors de la bataille des champs cataloniques du 20 juin 451 après Jésus-Christ, meurt assassiné le 21 septembre 454 sur l'ordre de l'empereur Valentinien III? Général romain, vainqueur d'Attila au champ catalonique. Non, ce n'est pas Elserus. Non. Ce n'est pas Lucius Malfoy non plus. Ce n'est pas Titus. Ce n'est pas Macrumus. Général romain, vainqueur d'Attila lors de la bataille des champs cataloniques du 20 juin 451 et qui meurt assassiné le 21 septembre 454 sur l'ordre de l'empereur romain Valentinien III. Il reste 3 secondes, la réponse n'est pas encore apparue, fin du timer. C'est donc le général... Oui, Naliana, Flavius Aetius. Effectivement, Flavius Aetius. Très grand général romain. Très, très grand général romain. Qui, grâce à la victoire des champs cataloniques, a vu sa popularité croître exponentiellement. Ce qui a foutu légèrement en boule... notre cher Valentinien III, qui a dit, bon ben, on va calmer le pépère, on va le tuer. Donc voilà. Et ce faisant, l'abruti, quand même, il a zigouillé le seul mec qui était capable, à l'époque, de repousser les invasions qui allaient suivre par la suite. Voilà. C'est effectivement le général Flavius Aetius, et donc... 3 points pour toi, Champi, cette fois, il n'y a pas de question subsidiaire, c'est Kaplan avec ses 5 points. Qui part en finale. Bien joué à toi, Kaplan. Eh ben, on va commencer la finale, à moins que vous vouliez faire une pause pipi-caca, hein, pour ceux qui sont en finale, hein, bien sûr. Auquel cas, on fera une petite pause pipi-caca, mais sinon... Ah, Kaplan veut une pause. Kaplan veut une petite pause. Kaplan veut sa petite pause. Melvin veut aussi une petite pause pipi-caca. Sky a fait déjà sa pause pipi caca. Allez, petite pause alors, hein, ça, 5, entre 5 et 10 minutes. Donc dépêchez-vous. Petite pause. Ouais, les jeux vidéo me font pas peur. Oh putain ta mère. Thank you.
Hey Gaspard, tu te lâches sur Facebook et on n'a pas d'amis quoi. Ce serait peut-être temps qu'on se fasse des copains. Hein. Ou les copines. Et allez, on se retrouve pour cette finale, hein, et oui, je suis pour cette loi, hein, pour les femmes dénudées, hein, bien entendu. Je suis absolument pour cette loi. Et donc, re à toutes et à tous. Petite finale, et après j'inviterai donc Kaplan à venir nous parler de son salon JDR qui a ouvert là, cette semaine. Donc je lui poserai 2-3 questions, voilà, histoire qu'il vous mette un petit peu l'eau à la bouche. Allez, on est parti pour le quiz de la mort qui déchire sa mère, qui tue, qui fait ce qu'il veut, enfin voilà. Par contre, ça risque encore de bugger, hein. Bah voilà, mes sons sont dégueulasses, je n'y peux rien. Voilà, hein, c'est ce que je disais, le son est dégueulasse. Et je comprends pas pourquoi c'est juste infernal cette connerie là. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va pour cette finale. Black, Melvin, Kaplan, est-ce que vous êtes prêts? On y va. Donc je rappelle, hein, au passage, que ce qu'il y a à gagner aujourd'hui, donc pour celui qui arrivera à la fin donc des 5 points. Une tirelire Tortue Ninja, qui n'est autre que Leonardo. Ainsi qu'un plaid Star Wars. Et pour les deux autres finalistes, une clé Steam, comme d'habitude. On est parti. Catégorie jeux vidéo. Est-ce que... Oui, tout le monde est prêt, tout va bien. Quel jeu est un énorme succès en 98 et relance un peu la Nintendo 64. Donc là, tout le monde en même temps, le premier qui me donne la réponse marque le point, ce n'est pas Mario. On est avec la Nintendo 64, quel jeu relance, hein, quelque part cette console. Et oui, c'est Black, je pense qu'avec Ocarina, hein, il veut dire Zelda Ocarina of Time, et c'est effectivement la bonne réponse, c'est Zelda Ocarina of Time qui relance carrément, hein, la Nintendo 64, très bonne réponse. Question suivante, toujours en jeu vidéo, Bandai sort en 98, toujours. Une petite console portable, comment qu'elle s'appelait cette petite console portable de Bandai sortie en 98? Non, ce n'est pas la Game Gear, ce n'est pas la Game Boy. Non, ce n'est pas la Game Boy, ce n'est pas la Coptor, la Color, ce n'est pas la Vampire, la Color, non. Non, c'est Bandai, hein, qui sort une console. Non, Game Boy, c'est Nintendo. Là, je parle vraiment de Bandai. Donc, ce n'est pas Bandai Traveler Mini, ce n'est pas la GameCube, ce n'est pas la Tiger, ce n'est pas le Tamagotchi, ce n'est pas le Time. Enfin, je sais pas quoi. Non, fin du timer, c'était la WonderSwan. WonderSwan. Alors, très honnêtement, je ne sais pas si cette console a réellement marché correctement. J'ai de sérieux doutes. Puisqu'elle est totalement passée... Oui, c'était ça, Costa, la WonderSwan. Elle est totalement passée aux oubliettes. Mais effectivement, en 98, Bandai avait sorti la WonderSwan, petite console portable. Catégorie maintenant, antiquité, mythologie. Nous sommes en 313 après Jésus-Christ. Un édit est rédigé. Ce dernier prévoit la liberté de culte. Quel est le nom de ce texte? Donc ce n'est pas l'édit de Nantes.
Ce n'est pas l'Édith Piaf. Ce n'est pas l'Édith Cresson. Ce n'est pas l'Édith Rome. Ah ah, Walmart, je t'ai pris de court. Ce n'est pas l'Édith Paris. Ce n'est pas l'Édith Beat. Ce n'est pas Lady Malou, mais celle-là, elle est très belle. Faut que je la garde. Ce n'est pas Lady Commandement non plus. C'est joli aussi, j'aime beaucoup. Fin du... Ah, bah oui, Melvin, effectivement. Mais en fin du timer, cette fois-ci. Dommage. Effectivement, c'était Lady de Milan qui prévoyait en 313, après Jésus-Christ, la liberté de culte à travers l'Empire. On continue, on est toujours dans les textes un petit peu l'édifiste. Quel roi accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire en 212 après Jésus-Christ? Donc c'est toujours un édit. Quelle loi accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire en 1212 après Jésus-Christ? Ce n'est pas l'édit de Rome, ce n'est pas Julius. J'ai pas dit un roi, hein, j'ai dit une loi. Non, une loi. L-O-I, une loi. Hein, pas R-O-I, hein, une loi. Ce n'est pas les Didi, hein, bien sûr. Et fin du timer. C'était l'Edi de Caracalla en 212 après Jésus-Christ. Catégorie histoire. Durant la guerre de 30 ans, en quelle année l'armée espagnole commandée par Francisco de Melo fut-elle défaite par l'armée française lors de la bataille de Rocroi? D'ailleurs, armée française commandée par Louis de Bourbon, dit le Grand Condé. Et ce n'est pas en 1342 ni dans 1870. En quelle année a lieu la bataille de Rocroi? Et salut à toi Zim2, passe un bon moment avec nous, hein, tu es dans la finale de QPV. Ce n'est pas en 1813, ce n'est pas en 1816, ce n'est pas en 1567, mais on n'est pas très loin. Ce n'est pas en 1640, on est encore plus proche avec le 1640 pour la bataille de Rocroi. Malheureusement, fin du timer, et oui, effectivement, 1640, c'est pas loin, puisque la date de la bataille de Rocroi, où l'armée espagnole commandée par Francesco de Melo est défaite par le Grand Condé, hein, donc Louis de Bourbon, hein, qui commandait l'armée française, c'est le 19 mai 1643, à cette bataille de Rocroi. D'ailleurs, c'est une bataille qui a vu la naissance de plusieurs formes d'armes. Parce que si l'armée française a battu les Espagnols, c'est simplement parce qu'on avait des armes un peu plus performantes. Et ça s'arrêtait à ça, hein, vraiment. Catégorie antiquité, mythologie. On est chez les Japonais cette fois. Amaterasu ordonna à son petit-fils de gouverner le monde. Elle lui offrit alors trois trésors, le Magatama de Yazakani, le miroir de Yata et l'épée de Kusanagi. Comment se nomme le petit-fils d'Amaterasu? Comment se nomme le petit-fils d'Amaterasu? Ce n'est pas Nobugana. Ce n'est pas Izanagi. Ce n'est pas Susanoo. Ce n'est pas Purigali. Et c'est Melvin qui marque le point avec Ninigi. Effectivement, le petit-fils d'Amaterasu se nomme Ninigi. Premier point pour toi, Melvin. Question suivante. On va enlever le timer, voilà. Et salut à toi, Bouddha, comment vas-tu? Question suivante. Quel est le nom du premier roi légendaire du Japon? Donc deux possibilités de réponse. Ce n'est pas Susanoo. Le roi légendaire, hein, pas roi réel. Roi légendaire. Ah, la tête dans le cul. Ben écoute-moi, ça va. Ça va, ça va. Ce n'est pas Kanji, ce n'est pas Edo, ce n'est pas Jinmu. Ce n'est pas Abigor non plus. Ce n'est pas Sangoku. Fin du timer. Non, la bonne réponse était Iwa Rebeko, Rebiko. Ou alors, on pouvait aussi l'appeler, hein, Wakemikenu.
Voilà, je préfère encore les Aztèques. Ça me déboîte moins la mâchoire. Catégorie jeux vidéo maintenant. Quelle société commercialise la console Odyssey de Ralph Baer en 1972? Ce n'est pas Nintendo, ce n'est pas IBM, ce n'est pas Infogrames, ce n'est pas Sony. C'est une société qui a d'ailleurs sorti sa propre console. Et oui, Melvin, effectivement, très bonne réponse. C'est la Magnavox. C'est donc la société Magnavox qui avait d'ailleurs sorti à peu près dans les mêmes années la Magnavox, du même nom, qui était une console. Et effectivement, très bonne réponse. On continue, jeux vidéo toujours. Qui entre 66 et 67 trouva le moyen d'adapter les jeux pour la télévision? Quel est le nom de ce monsieur? Donc c'est un ancien étudiant du MIT. Ça peut aider. Voilà, hein, je sais pas. Donc ce n'est pas Vincent Lagaffe, ce n'est pas Steve Jobs. Steve Jobs était, je crois, allez, à ce moment-là, encore dans les couilles de son père, ou venait à peine d'en sortir. Ce n'est pas Bill Gates non plus. Là, même raisonnement, hein, il était pas, il venait peut-être à peine de sortir des couilles de son père. Ce n'est pas Chomsky non plus. Ce n'est pas Chomsky, c'est ma fin du timer. C'est un personnage que j'ai cité à la question précédente. Il s'agit simplement de Ralph Baer, qui est le tout premier, le papa, hein, quelque part, des jeux vidéo, et qui a permis d'adapter les. Ce n'est pas Chuck Norris, Sky, qui a permis d'adapter donc les jeux pour la télévision, puisque jusque-là, ça n'était pas encore le cas. Donc la réponse était Ralph Baer. Question antiquité, mythologie à nouveau. Dans la mythologie celtique. Caplan, c'est pour toi. Dans la mythologie celtique, qui est le dieu de la lumière? Bah, MacGyver, je l'avais pas vu celui-là. Non, ce n'est pas Loug. Ce n'est pas. Non, c'est pas Mano. Ce n'est pas. Non, c'est pas toi, Naliana. Ce n'est pas Lumo, ce n'est pas Lug, ce n'est pas Mano, ce n'est pas Sermuno, ce n'est pas. Bah, c'est. Non, ouais, non. Lug... non, Lugus non plus, ce n'est pas Dana. Hein, voilà. Dieu de la lumière, Dieu de la lumière. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas Lug. Non, non, justement, ce n'est pas Lug. Fin du timer. C'était Belenos. Oui, Dark Pupio, effectivement, c'était Belenos. Belenos, dieu de la lumière, et Pupio, re à toi. On continue. Quel nom porte la civilisation crétoise du deuxième millénaire avant notre ère, dont le roi Minos est connu pour avoir fait construire le palais de Knossos en Crète? Et ce ne sont pas les Mycéniens. Le palais de Knossos n'est pas un palais mycénien du tout, du tout, du tout. Et c'est Melvin qui marque le point. Effectivement, c'est la civilisation minoenne. Civilisation minoenne qui d'ailleurs avait une fascination, une vénération pour les taureaux. Et il y a un sport qui se pratique actuellement encore chez les Basques, si je dis pas de conneries, et en Grèce aussi, où le but de jeu est de sauter par-dessus un taureau. Voilà, c'est pas de lui faire mal, de lui planter une épée ou machin. Non, non, c'est juste de sauter par-dessus le taureau en pleine charge. Et ce jeu date de l'époque minoenne. Donc c'est un jeu qui a quand même 4000 ans. Donc c'est assez énorme. Catégorie jeux vidéo à nouveau. Par contre, je ne sais plus le nom de ce jeu. C'est un nom, mais je l'ai complètement oublié. Enfin, en gros, le jeu, c'était un jeu par équipe. Hein, ça marquait des points en fonction de celui qui parvenait à sauter correctement. Enfin, qui sautait par-dessus le taureau au dernier moment. Il marquait une certaine quantité de points. S'il sautait trop tard, bah, en général, bah, il sautait pas du tout. Hein, c'était le taureau qui le faisait sauter. Et s'il sautait trop tôt, bah, il finissait sur le cul du taureau. Donc, du coup, il fallait vraiment sauter pile poil au bon moment. Pour pouvoir marquer les points en jeu par équipe, c'est assez impressionnant à voir. Hein, c'est un jeu qui existe encore. Hein, si vous avez l'occasion de voir ça sur YouTube ou en vrai, franchement, allez-y. Catégorie jeux vidéo. Sega lance en 88 une console 16-32 bits, haut de gamme. Attention, haut de gamme. La Mega Drive. Quel puissant processeur équipe cette console? Quel est le nom du processeur qui équipe la Mega Drive? Ah non, je viens de donner la Mega Drive. Donc, quel est le nom du processeur qui équipe la Mega Drive? Ce n'est pas le Blast Processing.
mon magnifique accent. Non, du tout, du tout. Ce n'est pas le blast processing. Non, non. Bon, après, je vous cacherai pas qu'ils se sont lancés dans la téléphonie. Hein. Non, ce n'est pas un Intel Pentium moins 8. Ce n'est pas le méga process. Ce n'est pas le Genesis fin du timer, malheureusement. Non, c'était Motorola 68000. Oui, Costa, c'était ça. Motorola, effectivement. Motorola 68000. En continuant, quelle année Activision fut fondée par David Crane? En quelle année David Crane créa-t-il Activision? Alors, ce n'est pas en 96, c'est beaucoup plus vieux que ça. Encore plus vieux. Et c'est Melvin qui a le point, effectivement. C'est en 79 que David Crane créa Activision. Et oui, Activision, hein, c'est quand même... Faut pas oublier que, bon, on a l'impression que l'univers des jeux vidéo et de l'informatique sont super récents. Hein, mais c'est une utopie, ça, parce qu'en fait, ne serait-ce que l'informatique, c'est la Seconde Guerre mondiale. Hein, avec le colosse hein, de... Pour pouvoir déchiffrer Enigma. C'est à partir de là qu'on a eu le premier ordinateur. Hein. Donc ça fait quand même presque 80 ans, hein, mine de rien. Voilà. Bon. Allez, cinéma, télévision maintenant. Quel couple mythique du cinéma hollywoodien incarne le rôle de Cléopâtre et César pour Mankiewicz en 1963? Donc là, je veux le nom des deux acteurs. Hein. Cléopâtre et César pour le film bah, Cléopâtre de Mankiewicz en 1963. Arabesque, je ne connerie. Non, c'est pas Arabesque, je ne connerie. Donc, ces deux acteurs, en fait, ils étaient ensemble, ils sont mariés, ils sont séparés, ils sont remariés, ils sont re-séparés, ils sont re-remariés, ainsi de suite. Ça a été ça quasiment tout le long de leur carrière. Et donc, l'actrice qui incarnait Cléopâtre, qui a fait, on va dire, le buzz à son époque, c'était quand même Elizabeth Taylor, et donc son mari, Richard Burton, dans le rôle de Jules César, dans le film de Mankiewicz de 63, et c'était pas Harrison, enfin Rex Harrison, mais oui, mais donc le film de 63, réalisé par Mankiewicz, qui se nommait Cléopâtre. Cinéma, télévision, toujours, dans Quo Vadis, réalisé en 1951 par Mervyn Leroy, ou Leroy, si on l'anglicise. Quel comédien d'origine britannique incarne de façon magistrale le rôle de l'empereur Néron? Non, t'inquiète Sky. Ce n'est pas Hugh Glory, mais on est vraiment... ouais, le jeu d'acteur est juste extraordinaire. Donc c'est un très très grand acteur et comédien, qui est mort il y a quelques temps de ça, et Melvin a la bonne réponse, puisque c'est effectivement Peter Ustinov, qui, et du coup Melvin, et ben avec Peter Ustinov, remporte ce QPV d'aujourd'hui. GG à toi, bravo, hein, vraiment, parce que Peter Ustinov, c'est un acteur que j'aime énormément. Je l'ai découvert justement via Kuo Wadis, et enfin, il y a quelques temps de ça maintenant hein, quand même, et du coup ouais c'est j'ai vu un petit peu après sa carrière cinématographique et puis quelques extraits de théâtre et tout. C'est un très très grand acteur très très grand acteur qui est mort il y a deux ou trois ans, peut-être quatre ans, je sais plus exactement, mais ouais si en Néron j'ai pas vu mieux, franchement. Le remake qu'ils ont fait de Kuo Vadis, parce qu'ils en ont ressorti un là, en 2002, il me semble. Le gars qui interprète Néron, on voit très clairement qu'il s'inspire de Ustinov. Hein, il a exactement les mêmes mimiques, etc. Il s'est inspiré de Ustinov pour reprendre le rôle de l'empereur Néron. Un rôle donc totalement frappadingue, un rôle what the fuck, hein, c'est Néron, n'oublions pas quand même. Voilà, c'est... Non, Peter Ustinov, très très grand acteur. Donc, bravo à toi, hein, Melvin. Black... Kaplan, bah écoutez, vous, Kaplan 0 point, Black 1 point, je vais vous donner vos clés Steam.
que vous avez mérité pour être arrivé en finale. Hein, parce que répondre à mes questions dans les manches, certes, c'est des questions qui sont beaucoup plus faciles, mais faut quand même se les coltiner. C'est pas, voilà, c'est pas facile pour autant. Voilà. Alors, que vas-tu gagner, Black? Qu'est-ce que je vais te donner? Je vais te donner ceci, Black. Alors, attends deux petites secondes. Voilà, hop, que je fasse. Parce qu'en même temps, je les range hein, au fur et à mesure. Hein, parce qu'autrement, après, je vais me paumer. Hein, donc, ce sera vite la merde et tout. Donc, voilà. Hop. Alors, Black, tu gagnes. Donc cette clé là. Donc bien sûr tu me dis hein, si ça passe ou pas, si la clé passe correctement ou pas. Tu me fais un retour, soit rapidement ou pas, hein, peu importe. Hein, mais tu me fais un retour parce que bon, si elle ne passe pas du tout, je t'en repasserai une autre, hein, bien sûr. Et quant à toi, mon petit Kaplan, tu vas gagner un jeu que je trouve totalement what the fuck. Hein, et je pense que t'apprécieras. Je pense vraiment que tu apprécieras ce truc totalement what the fuck. Parce qu'autant celui-là, je connais ce jeu, autant celui de Black, je vois ce que c'est, mais je n'ai jamais vu ni en stream ni en rien. Donc voilà. Donc Kaplan, tu gagnes ceci. Voilà. Donc pareil, hein, tu peux, sur Steam, tu rentres le code et tu me dis si ça passe ou si ça ne passe pas. Le super moite, mais tout à fait. Le Vital Justing. Bah, si je pouvais avoir 40 exemplaires de Fist of Jesus, je vous ferais découvrir Fist of Jesus 40 fois. Voilà. Non, le nanar du jeu vidéo, c'est E.T. Voilà. Le truc, c'est tellement pas vendu qu'il l'avait enterré dans le désert quand même. Hein. Pas déconner. Bon. Ça, c'est le The nanar du jeu vidéo. E.T. Ah ben écoute, je dirais comment ça fonctionne, alors attends. Du coup, ben, Kaplan, je vais t'accorder temporairement le rôle de modérateur pour que tu puisses descendre dans le salon modérateur qui correspond, hein, bien entendu, dans la partie administration, pour que tu puisses faire un brin de promo hein, pour ton salon. Voilà. Donc, merci en tout cas à tous d'avoir participé. Hein. Je descends vite fait, je reviendrai après dans le salon modérateur. Voilà. Donc Kaplan, je vais te glisser également dans le salon modérateur. Voilà, j'espère que tu as branché ton micro. Voilà, parfait. Donc bienvenue, hein. Bravo, hein. Bravo à toi Kaplan d'être arrivé quand même jusqu'en finale. C'est pas donné à tout le monde, hein, parce que vu mes questions, voilà, hein, bravo. Donc voilà. Alors, attends. Est-ce qu'on va juste me dire comment ça marche? Ah, c'est toi qui me dis ça. Ah, d'accord. Alors, attends, bouge pas, Black. Je t'en passe une autre, du coup. Je t'en passe une autre de suite. Bah, en plus, t'as du bol parce que ce sera le même jeu. Ce sera le même jeu, mais avec une autre clé. Voilà. En espérant que ça passe cette fois-ci. Ils sont quand même très cons, hein, des fois. Ils te filent des trucs. Enfin, bref. Alors, du coup, oui, tu as ouvert un salon JDR, mon petit Kaplan. C'est ça. Et, donc, on va pas rappeler ce qu'est le principe du JDR, bien entendu. Mais en revanche, quel thème abordes-tu dans tes JDR? Quels sont les jeux de rôle que tu fais exactement? Plus particulièrement, je fais beaucoup du post-apocalyptique jeu d'horreur. Mais là, je suis en train de créer un scénario pour un JDR ce soir à 20h30 sur le thème des Seigneurs des Anneaux. D'accord, donc à 20h30, là, ce soir, c'est sur le thème du Seigneur des Anneaux. Ok. Bah, c'est parfait, ça. Et donc, tu en fais depuis longtemps, du JDR? Comment ça se passe? Comment ça marche? Je suis arrivé dans le JDR en mois de septembre en tant que joueur. Mmh. Que j'en ai fait pendant presque 4 mois. Ouais. Et là, ça fait 3 mois que je suis en tant que MJ où je crée des scénarios, mm-hmm. joueurs sur Discord ou sinon en vrai où j'habite.
D'accord. Parce que moi, effectivement, moi, je t'avais vu au Manganime, hein, qui avait été organisé par Jérôme Lozel. Je C'est ça. t'avais vu, voilà, ouais, je t'avais vu là-bas. Donc, ça s'était bien passé, je crois, hein, de ce que tu m'avais dit. Il me semble que ça s'était pas trop mal passé. T'avais eu quand même pas Bon, mal de monde. j'ai eu un petit peu de monde. Il y en a qui étaient intéressés. Et puis, les personnes que j'ai vues à la Manganime, je les ai revues il y a même pas une semaine. D'accord. Ah oui, donc oui, y a un suivi, hein. Ce qui est bien avec Kaplan, c'est qu'il fait le service Oui. après-vente aussi. C'est intéressant. Ouais, donc du coup, donc Voilà. là, Salon JDR qui a ouvert mercredi, si je dis pas de bêtises. Mercredi soir, il me semble. Lundi, on est dimanche là? Ouais, on est dimanche, ouais. Enfin, à moi quand Ça, même, entier. ça. Non, non, c'est ça. Ça a ouvert mercredi soir Ouais. à Mercredi 21h. soir, ouais, d'ailleurs, on était là, hein, avec Piu-Piu, Champi, on avait bien pourri ton truc, hein. Bien pourri. Tu m'avais Voilà. bien pourri la cérémonie, mais on a passé un très bon moment. Voilà, c'est le principal, c'est le principal. Et donc là, j'ai vu que tu faisais aussi du loup-garou, tu faisais des murder parties, des machins comme ça, mais tout via Discord. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce genre de jeu et d'initiative, bah, je vous invite à suivre le lien que je vais vous mettre de suite, hein, dès que je l'aurai fait un copier-coller. Alors. Justement, les autres trucs que je fais, là, j'ai fait déjà le planning, pour cette semaine. D'accord, oui, bah là c'est préférable de faire un petit planning. Ça évite les spams, effectivement, c'est plus simple. C'est beaucoup plus pratique. Alors, le petit salon Discord. Hop, 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 où c'est qu'il est caché? Bon, le voilà, il est là. Je vous donc transmets le salon Discord du petit Kaplan, hein, qui donc salon de JDR. Pour ceux qui sont intéressés, sachant que ce soir à 20h30, si j'ai bien compris ce que tu me disais, c'est donc du Seigneur des Anneaux. Ce Voilà. soir, c'est à 20h30. Il me reste à peu près entre 4 et 5 places de joueurs. Alors effectivement, Abigor pose une question qui est très très intéressante. Est-ce qu'il y a un JDR porno? Bah, peut-être je ferai un jour du JDR porno, mais pour l'instant, je ne sais pas. C'est génial parce qu'il répond en plus tout à fait sérieusement. Hein. Ça, c'est magnifique. Moi, je peux dire sur la live, mais aussi vous me verrez quand on fera les JDR ensemble. Je suis quelqu'un de très franc et de très sérieux. Je confirme. Moi, j'ai rencontré Kaplan en reconstitution historique. Donc, c'est quelqu'un que je connais quand même plus ou moins bien. Effectivement, c'est quelqu'un qui est très sérieux quand il fait quelque chose. Ça, je peux vous le confirmer. Bah, merci à Juste. toi. Merci à toi, en tout cas. Bah, de rien. On va repasser dans Vous dire. le salon QPV. Hein. Voilà. Allez. Juste pour vous dire, j'ai Oui. déjà trois personnes qui ont rejoint mon Discord, ça me fait plaisir. Ah bah c'est cool, c'est cool. Bah merci à vous, hein, d'aller sur le salon JDR de Kaplan. Je reviens donc dans le salon QPV pour faire une autre petite annonce vite fait parce que j'ai vu ça. Enfin, ça fait un petit moment que je suis l'actu et bah je trouve l'initiative très intéressante. Donc c'est toujours dans le sud de la France, hein, enfin malheureusement ou heureusement, peu importe. Alors, une bande de potes, fans de cosplay, etc., et de l'univers geek, veulent un petit peu partager leur passion avec soit d'autres fans ou soit simplement va faire découvrir à des néophytes. Et ils ont eu l'idée de créer un magazine qui s'appelle So Cosplay, qui sera donc en vente dans les kiosques à partir de septembre. Pour une petite somme, vraiment pas grand-chose. Donc voilà, c'est une initiative que moi aussi je trouve très intéressante et que je souligne là aujourd'hui parce que voilà, c'est comme quoi on peut faire des choses quand on a une passion et qu'on arrive à la mettre en commun avec d'autres. On peut effectivement bah, vaincre certains obstacles et faire des choses qui sont très intéressantes. Donc, So Cosplay, vous pouvez les trouver également sur Facebook. Voilà. So cosplay. Donc voilà pour les petites annonces.
La semaine prochaine, Ciné Gaming, comme d'habitude. Donc déjà, demain, je pense que je vais foutre quelques petites conférences, hein, sur la romanité, comme j'ai fait la semaine dernière. Donc, je ne sais pas encore sur quoi ce sera, hein, bien entendu, puisque bon, je vais faire ça tout à l'heure. Donc, j'aurai certainement à partir peut-être de 17h ou alors de 19 à 23h, enfin, je ne sais pas trop encore. Quelques conférences sur Rome et la romanité. Donc, ce sont des conférences qui sont faites. Donc, c'est les Nocturnes du Plan de Rome, hein, c'est en association avec le CIREV et Unican. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a une partie, en fait, ça se déroule en trois parties. T'as une partie, il y aura une partie qui est purement théorique, hein, où ça va être du blabla. Une partie où on va visiter Rome via une reconstitution 3D. Et une troisième partie où c'est des questions-réponses entre le public et donc les intervenants. Et c'est quelque chose que... C'est vraiment très intéressant. Donc pour ceux qui sont un petit peu intéressés par autre chose que Fortnite, eh ben je vous invite bien sûr à regarder tout cela. Ensuite, voilà, Ciné Gaming pour la semaine prochaine. Alors à Ciné Gaming, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va avoir? Je crois que ça va être du truc très intéressant pour les Ciné Gaming de la semaine prochaine. Puisque là, nous venons quand même de terminer la saga Batman. Et la semaine prochaine, nous avons donc mardi Evil Within 2, suivi du mercredi et jeudi avec Darksider 1 et le 2 le jeudi à 21h. Toujours. Dimanche, rien du tout. Hein, rien du tout dimanche, je serai à la Japan Expo depuis le vendredi. Hein, je pars vendredi, je serai à la Japan Expo. Donc, attendez-vous à un petit docu dans les semaines à venir. Voilà. Et je crois avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. Oui, si, peut-être un autre petit truc. Petite chose très intéressante. Sky Venild, hein, si elle est toujours présente parmi nous. Sky a eu une idée. Hein, qui s'appelle. Rappelle-nous, Sky, comment ça s'appelle? Si elle est encore là, bien sûr. Je ne sais pas si elle est encore là. Mais en gros, c'est le choix des viewers, c'est-à-dire que le viewer va choisir parmi va donner un numéro et ce numéro désignera un jeu avec lequel Sky jouera. Et elle a proposé donc son concept d'émission à Instant Gaming. Donc souhaitons-lui bonne chance. En espérant qu'Instant Gaming ne soit pas trop con et voit un petit peu le potentiel que peut avoir le concept et Sky également. Donc GG à toi ma petite Sky, j'espère que ça marchera très bien pour toi. Donc je rappelle aussi vite fait que Abigor, hein, est invité à m'envoyer ses coordonnées postales que je puisse lui envoyer. Ce qu'il mérite, hein, le sub plus quand même les porte-clés POG, bien qu'il disait qu'il veut y redonner, alors auquel cas je peux y mettre dans le colis du gagnant, hein, pourquoi pas, si Abigor est d'accord, je peux mettre les deux, le ou les porte-clés POG dans le colis du gagnant. Ouais, bah c'est oui, voilà. on va faire ça comme ça alors. Par contre, du coup, tu donnes absolument tout, même l'enveloppe des subs avec porte-clé QPV, magnète QPV et bon de réduc à la boutique. Ou comment tu veux qu'on fasse ça? C'est toi qui vois Bigor, du coup. Parce que j'aime bien l'autre fois. T'as qu'à lui envoyer l'enveloppe. Eh ben écoute, Naliana, pas le choix, t'es obligé de me passer tes coordonnées postales pour que je puisse t'envoyer l'enveloppe que t'offre à Bigor. Donc bien sûr, tu me les envoies en MP, soit sur Twitter, Facebook ou autre, hein, ou Discord, ou voilà. Peu importe, je t'enverrai ça rapidement, hein, ça devrait partir dans la semaine. Une enveloppe, c'est quand même plus facile à envoyer qu'un colis. Je suis pas folle.
Merci en tout cas à tous d'avoir été présents. Merci à la Farfadie également hein, d'avoir hosté la chaîne via l'intermédiaire de Champy. Hein, merci à toi Champy. Merci pour les dons, merci pour les cheers, merci pour le sub à Bigor. Et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine fois. Alors le prochain QPV, malheureusement, il ne sera pas avant le mois d'août, puisqu'après je serai en vacances, etc. Donc je ne serai pas forcément présent. Donc pas de QPV quasiment pour le mois de juillet. C'était le seul là, le seul du mois de juillet. On inaugure le mois hein. Avec un QPV. Par contre, on inaugurera un peu mieux le mois d'août. Ah toi, tu veux une femme dénudée du coup de Victoria's Secret? Ah bah écoute, malheureusement, je n'ai pas. Hein, je n'ai pas du tout. Mais après, hein, je peux essayer de te trouver une photo. Hein, bah, tu feras ce que tu voudras avec. Hein. Si tu l'attaches, ça ne sera pas mon problème. Donc sinon, voilà, je vous donne donc rendez-vous pour les différents docu et conférences et ciné gaming en semaine, comme d'habitude. Quant à moi en live, eh ben, ce sera pas avant le mois d'août, voilà, je pense, hein, sauf si je me décide à faire un camoulox en inopiné comme ça. Mais sinon, c'est pas avant le mois d'août. A savoir que Mythologie, le prochain jeu qui est en cours d'élaboration, est prévu pour la mi-novembre. Donc je l'ai prévu, je l'ai programmé pour la mi-novembre. Donc à moi maintenant à être prêt. Pour Mythologie, hein, voilà, en deux mots. Merci à tous, passez une très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end. C'était LCR pour QPV. Bye bye tout le monde.